Oh. Là, je pense que le vélo il casse. Hein. 1, 2. On est à Carrefour, on va essayer de se trouver un petit vélo BMX ou VTT, je sais pas encore ce qu'ils ont, j'espère qu'ils ont des VTT parce que c'est pas la saison. On va aller voir ça et on va choisir notre bonheur. Allez, viens voir. Il y a bien un volume de l'eau mais il n'y a pas grand chose, c'est juste après l'allée centrale. D'accord, merci. En vrai, j'espère qu'il y en a. Vas-y. Voilà. 650 euros. Il est à combien lui? Ah, 159. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, avec les pegs et tout. Non, mais moi, attends. Pas écrit 111, 111 et là 159. Alors tu, soit 159, soit 111, tu veux lequel toi? Celui-là. Perso je prends le 111. Hein. On prend celui-là ou quoi? Ils ont l'air solides en vrai. Avec le truc pour faire les tail whip là, les bar spins. Qu'est-ce que tu fais? Tu le prends? En vrai je suis chaud hein. On prend ou pas? Il est un peu petit je pense pour moi mais... C'est un BMX. Il a de la gueule non? Ça c'est le plus beau ça. De toute façon il y a que ça en vrai. Hein. Non vaut mieux prendre un BMX je pense, ouais, que même pense ça c'est plus cher je pense, 150 euros aussi. Ouais. Bon, en vrai je pense que c'est plus rigolo un BMX. Hein. Ouais. Tu vois comment ça marche? Faut le prendre comme ça et on va en caisse. Il est lourd? Ah ouais grave. Je pense bien c'est... Oh, stylé. 15 kilos. On va te faire un petit test là. Bah en vrai ça va, il est pas trop petit. Ouais ça va. Bon, un petit peu y a mais... Il y a moyen de rigoler. Tu sais que c'est la première fois que j'achète un vélo à Carrefour quoi. Ah, ça fait peur. Tu sais ou pas? Ça fait peur. Bon nickel. On m'a quand même dit, gardez bien le ticket de caisse, c'est garanti. Est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va faire la journée le vélo? C'est ça, ça le truc. Ce qui pourrait être marrant, c'est on voit dans quel état il termine et après on essaye de le ramener. Ça pourrait être le concept. Non. Attends, il va résister. Hein. On arrive avec une garantie, tu dis? Bah écoutez, je l'ai acheté il y a 2 heures, mon fils de 12 ans l'a cassé, je comprends pas. Tu sais, c'est des petits trucs, des petites figures là. Ouais. Oulala, oulala, l'artiste. Fais-moi une petite démo. Vas-y gros. Le trottoir. Wouhou! Yes! Du coup, il m'a coûté 111 euros. C'était bien 111 euros, c'était pas 159. On va gonfler un petit coup tout ça. 111 euros, en vrai, je suis refait hein, pour le prix du vélo. Ça va, ça va. Hein. Après, c'est pas des vélos ouais, de. C'est pas un truc de ouf, mais. Enfin, va trouver un vélo à 100 balles. Ouais, c'est ça. Hein. Allez, combien je mets? 3 bas. Ouais, gonfle bien quand même. Ouais, mais vu que c'est lourd, honnêtement, je vais pas trop gonfler. Ça, tu pourrais y enlever en vrai. Tout ça. Non, non, faut tout garder. Je suis un peu déçu. Ah ouais, là, la sonnette. Il est cassé déjà. Pas de ma faute. Peut-être pour ça qu'il était à 111. Mais j'ai la lumière qui fonctionne. Waouh, la classe. C'est un top life. Il écrit quoi là, top life? Freestyle. Freestyle. On essaye là un peu sur le parking là, genre de 3 trucs. Vas-y. Ouais, je vais mettre un casque, on sait jamais. On va montrer quand même le bon exemple. Bah, il y a montré le bon exemple et il y a surtout être conscient que c'est un vélo qui à tout moment peut casser. Donc, par 80 déjà là. Let's go. Il est lourd ou pas? En vrai, je dirais pas loin des 15 kilos là. Ah ouais, à ce point-là? Ah ouais. Moi je pense déjà tu rajoutes les pegs et tout, t'as au moins, je sais pas, 1 kg de pegs. Et les serflex, ça resserre. Ouais, ça je sais pas ce que pour c'est. Le style. Et en vrai, regarde, je pourrais faire des bar spins là, avec le rotor. Non, t'as le whip, coince le pied là. Ah, mais là, je peux en envoyer un vrai, attends. Hop, un petit coup de pied. J'ai même pas vérifié, j'ai eu confiance à 100% au mec qui a monté le vélo. On va quand même checker un peu ça. Genre histoire pas que. Tu sais, je vois bien, genre le guidon qui tourne, tu sais, t'arrives, tu sautes, le guidon qui part en arrière. Le frein qui bougeait là? Ouais, ouais, mais en vrai, regarde. Ah ouais. Ouais, ouais. Wow. Bon, il est passé, mais oui, c'était oui, chaud. Oui. Hein. Ouais. Ah, il y avait ça. Hey, il va passer celui-là. Hein. Ouais. Même avec un vélo Carrefour. Il y a une bosse là, non? Yep, yep, yep. T'as essayé le manuel ou pas? En vrai, ça va les freins, non? Sans frein, quoi. J'ai tellement peur de me retourner. L'avant avec les pecs, c'est tellement lourd. Ouais, ça retombe. J'ai pas l'équilibre, c'est comme le vélo. Et en vrai, le frein à un doigt, c'est impossible. Genre, je dois mettre les 4 doigts pour freiner. Voilà. Ouais, 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 ouais. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, hein. Première impression de ce vélo Carrefour. En vrai, c'est pas pire, hein. Je m'attendais à un truc pire. J'ai envie de faire des trucs avec des pegs là. J'ai jamais fait, je sais pas ce qu'on peut faire. Si, tu peux, non. Oh. Ouf. Moi je le sens mal ça, hein. Je te le dis tout de suite. Les mecs, je crois qu'ils mettent que un pied et après l'autre, c'est en équilibre. Comme ça, genre. Ouais, ouais. Oh. Pas facile. Est-ce que ça réchauffe, hein? Bien, il y a un petit skatepark en vrai, juste derrière là. On peut aller faire un tour, et tu après, veux. On essaiera un truc plus gros, genre sauter des escaliers, sauter des murs. Direction le skatepark. Hop. Alors celui-là. Voilà. Si t'arrives à le passer en entier, tu arrives, et ben. Et ben. Ben bravo. Tu gagnes un vélo bleu. Il y a du jeu. On commence à avoir un petit peu de jeu. Oui. Vas-y, j'arrive à fond.
Freestyle. Allez. Oh là là. Ok, ça va, c'est que ça. Oh non. Ça y est, le premier morceau vient de tomber. Tu pourras plus rouler la nuit. Elle tail whip sur la table. Non, pas un tail whip, mais avec le pied. Tout jam whip en haut. Ouais. Ouais. Et c'est le drame. Celui-là, faut que je le rentre. Ouais. Vas-y, tu dois mettre les deux. Une avant, une après. On les espace. Et tu dois pas toucher les bûches. Allez. On commence comme ça. Bon, là, c'est facile encore. Avec le poids, ouais. Dis donc, t'as tourné comme ça. Hop. Ouais, tout ça. Hop. J'ai tordu les manivelles. Déjà ? Ouais, ça tourne pas droit, là. Il y a un truc qui... Là, je le sens, ça tourne pas droit, là. Moi, je crois que c'est les manivelles qui sont tordues. Hein. 2 ans de garantie, mais là, c'est 2 heures, là. Ça va, t'es large. Par contre, ça se voit qu'il est lourd, parce que quand t'arrives, ça claque. Hein. Bon, là, ça commence à être gros, déjà. Hein. Oh oui. Bon, c'est trop facile, en fait. Déjà, là, ça fait ta taille. 1m50, là. Ouais, au moins 1m50. Ce qui me fait peur, c'est de taper la bûche de l'arrière et faire pouf, t'sais. Ouais, de rebondir dessus. Ouais, là, on est bien à 2 mètres, ouais. Ça touche, t'y es presque. Ouais, je touche la dernière. T'as 2 essais. J'ai re un petit souci de guidon. Encore? Fait que de reculer là. Bah, avant il était droit, maintenant il est comme ça. Attends, il est serré à bloc. Légèrement bougé quoi. Et, mais les manivelles là, je suis en train de pédaler, genre ça, je sens mon pied qui fait boap, 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 boap. Bah c'est vrai que les manivelles déjà, elles ont pas l'air très costaud. Ça fait un peu genre barre de fer, tu sais. Ouais, c'est juste ça, ouais. Celle-là elle est tordue, regarde. Ah ouais, ouais, elle est rentrée, non. Bah là elle est déjà. Ah ouais, c'est peut-être qu'il y a du jeu sinon. 2 essais du coup. Ouais. 2 essais, 2 mètres. Tiens. Et si tu le rates, j'ai un gage. T'as un gage? Non mais t'as un gage encore plus dur que ça. Tu devras faire un truc en... Mais j'ai rien. Oh. Bon bah c'est easy, ok. T'as entendu le clac? C'est le guidon qui a... Bon par contre t'étais large là en fait. Mais là c'est passé hein. Du coup le gage c'est toi qui le fais. Du coup vas-y, c'est à toi de sauter. Putain non. Vas-y juste tranquille, t'as pas de casque. Juste pour les sensations, sauter le petit machin là. Ça là? Ouais. Ok, vas-y. C'est ton gage. On échange. Fais gaffe, le guidon il tourne un peu de temps en temps. Monter et descendre. Tu sens la complexité? Parce que je pense derrière la caméra tu te rends pas compte. Ouais, validé. Facile. Fou jam whip. Vas-y, fou jam whip. Ouais. Allez, il y a de ça en vrai. Vas-y, slide. Ah, t'as perdu mes clés. Attends. C'est on facile. Trouve un nouveau spot. Pour l'instant, le vélo, il va bien. À part les pédales. Freestyle. Bon, à part les pédales, ok. Premier problème, les pédales. Allez, on inverse. On bouge. Attends-moi. La face tuée. Table de pique-nique. On va être bien là. La table de pique-nique. Avec le BMX là. Ouais, par contre, moi je te dis tout de suite ça, j'y fais pas. Ça. En plus que j'ai bien mis de la boue. Ah ouais. Ça va bien glisser. Attention à la chute là. Non, mais attends, là, c'est... qu'est-ce que tu fais là? Non, non. Faut commencer de là. Oh. Tu crois que tu y arrives pas? À monter dessus déjà? En mode trial hein. Si, tu dois y arriver. Attends. Ok. Ah oui. Bon bah ça passe. Montez là. Allez, la descente. Du coup c'est plus trop du BMX là mais... Oh. Easy. On fait quoi? C'est plus dur du coup hein. Allez. C'est trop petit. Vas-y, y'a des murs là-bas. Mais c'est trop facile aussi pour toi là, t'arrives tout là, c'est chiant. Ah là, y'a un truc plus dur là. Le truc que je vois là? Vas-y, je vais à pied hein. Non, tu peux jouer... Ouais, voilà. Vas-y comme ça, avec les pecs, faut faire gaffe. Ouh. Oh, il s'est poigné. Plus gros. Encore? Bah le barbuck, ça part sur le barbuck. Tu crois? Non, là c'est complexe hein, quand même. Enfin là, il y a bien un mur, mais bon... Avec ce vélo, du moins. Avec ce vélo, c'est pas possible. Là, t'as 2 petits blocs, bah comme tu veux. Ah ok, t'es comme ça toi. Peut-être moyen, non, en servant de... Non mais là, je sais pas si vous vous rendez compte là, mais le bloc il arrive... Ça va, je suis pas trop abîmé hein. Là, il fait 1m10 le bloc là que tu viens de monter là. Attends, tu le valides là ou pas? Oui. Ouf. Par contre, ce que je peux essayer pour valider vraiment la montée, c'est sans toucher le pédalier. Faut que j'arrive direct sur le... Tu arriverais sans toucher là? Ah ok. Voilà. Ah d'accord. Bon bah. Prêt, sortie 180. Je fais ça, comme ça, et là je saute. Non, moi j'ai peur pour les jantes là. Hein. Oh. Non bah ça va. Plus dur. Jusqu'au point où ça va faire mal. J'aimerais bien trouver un gros mur, tu sais, genre à sauter.
prenne la voiture et on va aller sur un autre truc. Ok, ça marche. Un peu plus street urbain. Parce que là, t'as fait un peu le tour, quoi. Attends, Aurel, ça là. C'est pas des escaliers, mais. Chaud, non. Je sais. Bah, comme. Ah, ok. Je pense que c'est chaud, non. C'est lourd. Ouais. Ah, ok. Pas besoin d'aller à la muscu. Tu montes plus facilement que moi là, alors que je suis à pied, moi. Yes. Descendre. Tu veux. Ok, vas-y. Je pense que ça roule là. Oulala, oulala, oh putain, oh lolo. C'est la même chose. Oh, oui. Yes. Essaye. Bon, par contre, il y a des pegs là, je peux peut-être. Là, je te charge, vas-y, essaye. Ah, attends. J'avance ou pas? Hop. C'est bon? Oh putain. Avec mes manivelles tordues, c'est horrible. C'est Hubert Aurel. Oh putain, je vais me casser la gueule, je vais me casser la gueule. Attends, shot, shot. Quoi ça? On va à droite, hein, à gauche déjà. Ok. On va le voir. Oh non, ça va. Ça va. 1m20 à droite. On va commencer. Non, ça va en vrai. Ça va, ça va. Ouf. 1m20 validé. Je pense qu'on peut aller jusqu'à combien? 2m, c'est ça, résiste, tu crois? Que c'est le vélo qui va résister ou c'est l'humain? Moi, je pense. Non, je pense que tu peux sauter, mais les jantes, je suis pas sûr qu'elles. Oui, les manivelles. Les manivelles, ouais. Regarde, tu vas voir le mur que je t'ai préparé. D'accord. Tu dois pas être loin des 2m. Hein. T'es jaloux, t'as pas le même? Ouais, c'est vrai que ça. Fauteuil roulant électrique, j'ai jamais vu. Pas ça l'idée. Hein. Arriver là, wall ride sur le mur et arriver dans les escaliers en bas. Rouler sur le mur là? Alors t'arrives là, regarde. Là, là tu sautes, choc. Et là t'arrives là. Mais t'es dans un film d'action là, non? A chaque fois que je passe devant, je me dis, oh le rêve c'est de le faire. Et j'ai déjà vu des marques hein, de gars qui l'ont peut-être déjà fait. Ils l'ont déjà fait? Après tu peux le faire en mode Fabio aussi. Non, Fabio Wimmer, t'arrives avec de l'élan, VTT. Tu le sautes droit. En vrai, ça j'aimerais bien. La prochaine fois, on va le filmer dès que j'ai le nouveau VTT. Ouais, mais pas avec celui-là, ouais. Non, parce que. Celui-là, non, ça ira. Voilà, déjà tranquille. Oh. Alors, viens voir le mur. C'est là. Je roule sur ce mur-là. Ah, ok. Donc, ouais, c'est vraiment un mur, c'est pas un muret, quoi. Ok. Non, là, ça fait peur. Là, mais... déjà, juste le mur-là, il fait très très haut, là. Genre, ouais, là, genre. Bah, là, il fait ma taille. Oh, je pense qu'il faut mieux y aller direct, en fait, parce que. Au plus je vais faire des essais, au plus je vais me faire mal. Ok. Hop, hop. Ouais, ça doit être pareil à peu près. Ouais. Je prends l'élan de là-bas, essaye de sauter la faille. Après, là, faut pas te rater, quoi. Oh. Ça passe. Je me suis rappelé en pédalant que mon guidon avait tourné à la réception, j'ai eu peur. Bon, bah, du coup, c'est passé. Bah, le saut. T'attaques direct là? Faire au milieu déjà, genre un peu d'élan, je tire. Ouais, saute pas le gros truc tout et de après, suite. Après le gros truc. Oh putain. Oh putain. Ah, je crois que mon guidon il a retourné, ça y est. Les poignets là. Mon guidon, là les poignets, surtout la tête en fait. Vu que le vélo est un peu petit, j'arrive comme ça. Ouais, ouais, ça résiste bien quand même. Ouais. Tu te sens chaud là? Prière au début. Ouais. S'il te plaît, résiste. Putain, au raid, c'est gros hein. Bon, les gars, je sais pas vous, mais là, je pense que le vélo il casse. Hein. Donc, dites dans les commentaires là. Est-ce que vous pensez que le vélo il va casser ou il va pas casser? Il est où? Il est là, complètement taré. Regarde le truc. Vu d'ici. Mec, ça fait flipper. En vrai, j'ai aucune confiance en vélo à ce moment-là. Je vais sauter comme ça, genre latéral. Allez, feu. Prêt? Vas-y. Moi non. Ok. 1, 2. Oh. Il commence déjà. Tu peux voir, s'il te plaît, au ralenti, ma gueule quand je m'écrase au sol. C'est tout de suite. Le vélo Carrefour à 111€, il a survécu à cette expérience. On va faire une deuxième vidéo. On va essayer de le tester au maximum. On va voir, on va couper des tubes. On va voir combien de tubes on va pouvoir couper. Pour aller à la limite. On voit la limite du vélo. Ok. Je vais couper là, je vais couper là. Ça c'est la semaine prochaine. Donc pour pas rater la vidéo, tu t'abonnes, t'actives la petite cloche. Et puis tu peux me rejoindre sur Instagram pour plein de vidéos. À la semaine prochaine. Ciao. Crash test. Bah voilà, c'est terminé.